Et salut à tous les amis, c'est Régis15, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un let's play complet sur Amnesia 2, A Machine for a Pigs. Concernant moi, pour ceux qui ne seraient pas au courant sur la chaîne, j'ai déjà joué au premier, j'ai pris une bonne dose de flip, et la musique que vous entendez sur ce menu nous montre clairement que c'est parti pour le deuxième. C'est parti pour le deuxième. Il est 18h, le jour de la sortie, le 10 septembre 2013, et on se lance dans ce jeu, les amis. Alors, sachez que, au niveau de comment ça va se passer, il y a énormément de moments où je ne parlerai pas, et où je laisserai l'ambiance se révéler. Mon commentary ne se limitera qu'à vous exprimer ma peur, et à vous donner mes solutions sur les casse-têtes, si je les trouve. Allez, c'est parti. Bien donc, c'est parti. Me voilà replongé dans cet univers qui m'avait tant terrorisé à l'époque. Nous commençons encore une fois sans rien savoir sur le personnage que nous incarnons. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pouvais attraper? J'ai vu un icône. Une chaise. Bien. N'y a-t-il pas une lanterne sur cette table pour moi? Bien, pas de lanterne. C'est une porte. Une note. Comme à l'habitude. Alors, pour ceux qui me découvriraient et qui ne m'ont pas suivi sur le premier Amnesia, qui était The Dark Descent,
Je vous le dis, je vais lire toutes les notes parce que ça permet de se mettre dans l'histoire et c'est vraiment hyper prenant quand on arrive à la fin du jeu après avoir lu toutes les notes. On a vécu la vie du personnage, mais du début à la fin, et je pense que c'est indispensable. Donc, si vous me découvrez avec ce let's play et que vous n'appréciez pas ce côté-là de lire toutes les notes, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien, je les lirai jusqu'à la fin. Donc, ça ne servira à rien de suivre le let's play. Et bien, c'est parti. 24 juin 1899. Dans mes rêves, je vois un homme, vêtu de peau de jaguar et empenné tel un saint ensanglanté. Ce qui est venu du cœur nous a lubrifiés, a écrasé le mal sous ses pas et nous a tous libérés. La chaleur fétide de la jungle se reflétait quelque part devant moi. Mes tempes battent, le sang bouillonne dans ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose de vivant. Un rat, un sale rat courant dans mon cerveau, dévorant tout pour en sortir. Même le Londanum ne réussira pas à calmer son insatiable faim. J'entends mes enfants jouer dans le grenier, une vision d'horreur plus que d'amour. Que sont ces pensées désespérées? Le Londanum. Londanum qui est un sérum de... Oh, une lumière. Le Londanum qui est un sérum de d'amnésie. Hein. Déjà connu dans le premier volet de cette série de jeux. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est... Oh! Attendez. C'est sérieux, ça? Il s'enferme dans une cage pour la nuit? A priori... Il y a un problème avec ses enfants aussi, parce que il disait que ses enfants jouaient dans le grenier et c'était plus une vision d'horreur qu'une vision d'amour pour lui. Donc, je me doute que il y a un problème avec ses enfants. Daddy, Daddy, find us! Ok. Alors, mon journal. Un rêve fiévreux, non, ça c'est toutes les notes que j'ai lues. C'est document découvert qu'il me faut. Mais non, justement. Mon journal, un rêve fiévreux. Je me réveille, seul, dans une maison silencieuse. L'absence de voix d'enfant me fait l'effet d'un tombeau obscur et fécond qui m'incite à entamer une descente dans les entrailles de la terre, là où l'on ne trouve probablement que des cadavres. Mais qu'importe, mes enfants m'appellent, et je dois leur répondre, je dois les trouver. Écoute, je sais pas qui t'es mon petit gars, je sais pas qui j'incarne dans ce jeu, mais généralement, quand on suit... La première note disait que les enfants étaient une peur. Je sais pas ce qu'ont fait ces gosses à leur père. Mais c'est le flip de l'infini. Bon là l'objectif étant absolument de trouver une torche. C'est vital, hein, il me faut une torche. Les souvenirs nous reviennent peu à peu. Les souvenirs a priori de ce père. Cette maison qui était sûrement celle de... qui appartenait à lui et à ses enfants. Papa, this way. Wow. C'était quoi ce ballon là? Wow. Écoutez, j'ai un chrono à côté de moi. Bonjour. C'est quoi ces bruits de pas au-dessus là? Écoutez, j'ai un chrono avec moi, je peux vous dire que je ferai pas durer les épisodes. Plus qu'il ne le faut. C'est hors de question. Pas de torche en plus. C'est une catastrophe. Peut-être que la torche se trouve autre part. Hein. Oh là 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 là. Quoi ? Elle est fermée ? Ouais, elle est fermée. Ouh. Eh ben on retrouve les sensations qu'on avait connues à l'époque, hein, mon petit Régis. Mon dieu. Ce jeu. À la fois un bijou et une malédiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Des poupées? Non, c'est des vêtements et... une tête de cochon. Sûrement un rapport avec... Grenier, chambre d'enfant. Mais ils dormaient dans le grenier quand ils étaient bébés. Peut-être s'y sont-ils cachés aujourd'hui. Je me souviens de m'être attardé sur cette idée, à mi-chemin entre ma chambre et mon bureau.
Ah ouais. Ok, la porte est fermée. Il doit sûrement y avoir des clés. Parce que là, il y a deux portes, clairement verrouillées. Sûrement des clés. Sûrement des clés qu'il faut que je trouve. Et ce ballon là. Il a foutu une frousse quand il est descendu. Je pense qu'il faut que je descende. Où sont les escaliers? Pas ici en tout cas. Pas ici non plus. Un bureau. L'idée c'est que je cherche mon bureau. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Ok. Alors j'allais dire des enfants et peut-être une femme quand je montais dans l'escalier. Et ben non, pas de femme parce que a priori elle a. J'ai pas bien fait gaffe, mais je crois qu'elle a, elle a perdu la vie en donnant la naissance à un de ses enfants. Alors a priori, le dernier, je crois que c'est le dernier qu'elle a mis au monde et où elle est morte en lui donnant la vie. Bon. Il me faut, il va falloir que je trouve une descente. Hein. La question c'est où. Et où est cette foutue torche? J'ai besoin de lumière. Et vous avez besoin de lumière aussi, chers viewers. Sachez que la luminosité sera quand même augmentée. Hein. Vous aurez quelque chose qui maintient quand même l'expérience. Donc vous pourrez vivre ça comme je l'ai vécu. Mais avec une légère augmentation quand même. Parce qu'il y a une perte de luminosité durant l'encode par rapport à YouTube. Donc j'augmenterai la luminosité au montage. Mais ne vous attendez pas à un truc super lumineux. Hein. C'est hors de question. Hein. Il faut que... Et hors de question que je sois le seul à flipper sur ce jeu. Hein. Vous allez flipper avec moi, bande de traîtres. Bon, a priori, le seul endroit où aller, c'est clairement cet endroit pour monter, là. J'ai dû rater une clé dans une des pièces que j'ai fouillées. Je suppose. Oh, les escaliers qui grincent. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Non, il n'y a personne. Bah écoutez, j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un. Enfin, ça dépend, parce que vu l'endroit... Ouais, voilà, c'est ça. Non, je veux pas qu'il y ait quelqu'un. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui marche au-dessus de ma tête. Je veux pas. Je veux pas. Je ne veux pas. Mais j'avais pas vu ça. Oh. Oh non, 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 non. Non. Pff, le grenier, quoi. Il manquait plus que ça. There's a bad man coming. Rapide, ou non, puis non. Non, pas des. Je vous rendiez compte que je flippe bien clairement avec vous. Je veux juste prendre le temps de retrouver la touche de mon inventaire. Eh bien, a priori, nous n'avons plus d'inventaire. Intéressant. Dans le premier, il y en avait un, hein, je vous le dis. Intéressant. Il ne semble plus y avoir d'inventaire. Est-ce que si je fais... Hop. D'accord. Ça c'est... C'est le dernier truc que j'ai lu en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoutez. Il n'y a plus d'inventaire. Bien. Oui, puisque c'est une lampe électrique. Je suis bête. Il n'y a plus besoin de trouver d'huile comme dans le premier. On ne voit rien à travers les fenêtres, sinon ça serait trop facile. Enfin, ça dépend, peut-être que
pour rien du tout. Que je mette de la lumière ou que j'en mette pas. Bien, bien, bien. Toujours ces trucs de cochon. Hop, allez. Viens ici, toi. Voilà, mets-toi là. Restiez. Ne vous montrez pas à moi, sale gosse. Vous me filez les jetons. Hop! Oh, le masque! Saloperie! Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Amnesia, vite fait, je le dis parce que je l'ai pas dit dans l'intro, j'ai oublié. D'accord, j'ai coincé la caisse. Super. Allez, je vous conseille d'aller voir le premier qui est disponible sur ma chaîne, la playlist du premier épisode. Parce que c'est quand même un jeu assez spécial où on ne peut pas combattre, on ne peut faire que fuir. Et le premier était quand même assez flippant. Bref, écoutez, pour ce premier épisode, on va se laisser là. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vous conseille d'aller voir le premier épisode. Je vous conseille d'aller voir le premier jeu. La playlist sur ma chaîne s'appelle Amnesia, la descente aux enfers de Régis. Et donc, écoutez, merci de tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que vous êtes nombreux à attendre un Let's Play FR sur Amnesia 2. Sachez que moi, je l'attends depuis bientôt 3 mois. Écoutez... Et on se retrouve très rapidement pour un second épisode qui arrivera dans les prochains jours. Allez, salut tout le monde !